là. Oh là là. Voilà. Une dans chaque main. Voilà ça. C'est dit par ici. Rendez-vous à l'aéroport de la Guadeloupe, du coup, pour la fête. C'est l'une des plus belles semaines de ma vie, oui, je pourrais dire ça. On a beau les préparer, on a beau s'entraîner, se faire les films. Je crois que jamais j'aurais pensé que j'aurais passé une semaine olympique grandiose comme celle-ci. En émotion, en réussite, en tout. C'est quelque chose d'inimaginable. Donc, j'ai eu cette chance et toute ma vie ça va me porter, toute ma vie ça va rester gravé dans ma tête. Après bien sûr je voulais réussir individuellement, réussir à gagner à la maison. Moi le truc que j'ai hâte de faire c'est prendre cette photo sous la tour Eiffel avec les anneaux. Parce que quand les jeux vont être finis, ils ne seront plus là. Et je veux cette photo et je me suis donné les moyens de mes ambitions et c'est quelque chose qui va me faire chaud au cœur. Après, cerise sur le gâteau. La deuxième médaille d'or avec cette équipe extraordinaire, avec cette ambiance, c'était le feu. Ouais, on a suivi les performances de Léo, tout le monde. On se suit, on se supporte. C'est vraiment une équipe de France olympique, on est tous soudés. Donc quand on voit des résultats comme ça extraordinaires, on est tous contents, on est ravis. Et puis nous en natation, je crois que pour tous, on a tous connu leur Manodou. Là maintenant c'est Monsieur Marchand. Avant ça c'était, on va dire internationalement parlant, c'était Phelps. Donc là maintenant on a quelqu'un dans le game pour aller chercher Monsieur Phelps. Ce que je trouve positif c'est les internationaux, les étrangers qui sont venus combattre, chercher une médaille, qui nous disent, ils n'ont jamais vu ça eux aussi. Donc je pense qu'on a réussi des Jeux Olympiques mémorables et je pense que on va laisser une super image, en tout cas dans le sport, à l'image internationale, ça va être quelque chose de gigantesque. Moi, je pense qu'on a fait des super Jeux Olympiques. En tout cas, je vois l'engouement, tout le monde kiffe. Je vois comment mes enfants sont émerveillés. Alors, je peux dire qu'ils ont découvert des Jeux Olympiques.